Aujourd'hui, on va parler de l'esclavage, on va parler du concept de remémorisation de Morrison, qui est une auteure afro-américaine qui s'intéresse à l'identité des afro-américains et surtout des esclaves affranchis. Donc, elle a écrit un livre que je trouve très intéressant qui est Beloved, qui parle justement de ce concept de remémorisation et elle nous explique comment, en fait, oui, les esclaves ont été affranchis. Mais la liberté n'est pas quelque chose d'uniquement physique. La liberté, c'est aussi quelque chose de mental, c'est quelque chose de psychologique, c'est quelque chose d'identitaire. Et elle montre dans ce livre, en fait, qui décrit la vie vécue, racontée, narrée d'une ancienne esclave, comment elle va réussir à se reconstruire un moi, comment elle va se réapproprier un moi, un jeu, une individualité. Parce qu'il faut comprendre qu'avec l'esclavage, on parle de 60 millions de personnes qui seraient mortes dans les cales des bateaux, on parle de violence, on parle de viol, on parle de choses terribles, et on nous montre surtout à travers ce texte que une des dimensions les plus importantes des personnes qui pratiquent l'esclavage, c'est le fait de déshumaniser les esclaves, de les transformer en bêtes. Et en les déshumanisant, c'est compliqué ensuite de se construire un moi personnel. Elle montre différents aspects, différentes dimensions qui font que les gens qui font l'esclavage, les esclavagistes, influencent très fortement sur l'identité des esclaves, par exemple en les réduisant au silence. Et il faut comprendre que l'identité se construit à travers du narratif. Moi, je suis telle personne parce que j'ai tel vécu et parce que je suis capable de le formuler, et parce que je suis pas capable de le partager. L'esclavagisme empêche ce genre de choses. La troisième chose qui est super importante, je trouve, dans ce livre, c'est le fait que oui, il y a des chaînes physiques qui maintiennent les gens, mais on a aussi du passé. Il y a du passé qui nous maintient, qui nous bloque, qui nous coince. Et un des derniers points que je trouve super pertinent à travers ce texte-là, c'est le refoulement. C'est les esclaves affranchis ont vécu des choses tellement dures, tellement difficiles, qui sont en plus niées par la société américaine, qui sont niées à l'époque par des groupes, qu'il y a un refoulement qui se fait. Et bien sûr, à travers le refoulement, on ne peut pas construire une identité saine. En psychologie ou en psychanalyse, on vous l'expliquerait très bien que le refoulement, c'est un mécanisme de défense pour se protéger justement du passé. Alors, ce que montre ce livre que je trouve profond, c'est cette réalité que vivent les esclaves affranchis seuls, qui ont été obligés de se reconstituer eux-mêmes et de se réapproprier leur identité. Le texte se passe à Cincinnati en 1873. Je pense que l'esclavage a été aboli en 1865. Si c'est pas bon, vous me mettrez dans les commentaires pour rectifier les dates. Et ça explique en fait que c'est tout un processus très long. Et que dans ce processus très long, il faut être capable de faire face à ce passé qui a été horrible. Et la remémorisation, c'est cette idée, comme dirait Morrison, de se réapproprier sa mémoire, de ne plus la laisser aux autres, de ne plus les laisser aux esclavagistes. C'est les esclaves qui doivent se réapproprier cette mémoire, y faire face, grandir et évoluer à travers elle, et être capable de se définir comme des individus totaux et totalement libres de corps et d'esprit. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des références de livres sur l'esclavage si vous en avez lu des super intéressants qui pourraient enrichir cette pensée du concept de remémorisation. Partagez, likez, abonnez-vous. On se revoit pour une prochaine vidéo. Merci.